Le parcours est un élément clé de la franchise Assassin's Creed. Tantôt aimé, tantôt détesté par certains joueurs, il a pourtant évolué et c'est pas forcément au goût de tout le monde. Mais pourquoi tous ces changements? Pourquoi au cours de l'histoire de la licence, finalement, on est passé du parcours d'Assassin's Creed 2 à celui d'Assassin's Creed Origins? Eh bien ce sont à ces questions que je vais tenter de répondre au cours des minutes qui suivent. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous demander d'acérer vos lames, d'enfiler vos capuches, parce qu'on part tout de suite à la découverte du parcours dans la licence Assassin's Creed. Allez, jingle! Avant toute chose, sachez que cette vidéo est une esquisse d'un potentiel nouveau format sur la chaîne. Vous le savez si vous me connaissez depuis longtemps, mais le jeu vidéo et son développement, c'est une véritable passion chez moi, au point où je voudrais vraiment en faire mon métier un jour. Et il y a un truc que j'aime particulièrement sur YouTube, ce sont les vidéos qui décortiquent les gameplays des jeux auxquels j'ai pu jouer par le passé. Et je trouve vraiment que les vidéos de Toujours Thomas, Doc Gero ou encore Game Next Door sont des véritables mines d'or. Alors attention, j'estime absolument pas faire aussi bien qu'eux, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir ces chaînes et également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous voulez que je réitère avec d'autres éléments de gameplay dans la licence Assassin's Creed. Bien, maintenant on va pouvoir attaquer, mais avant toute chose, il faut qu'on éclaircisse quelques points. Tout d'abord, on traite uniquement des jeux principaux de la licence Assassin's Creed, parce que je suis pas super sûr que l'analyse du système de parcours d'Assassin's Creed Bloodlines ou d'Assassin's Creed Discovery soit vraiment super pertinent par rapport à ce que je vais dire. Ensuite, il faut que je vous parle d'un terme important dans le jargon du jeu vidéo et que je vais utiliser tout au long de cette vidéo. On appelle ça le cœur de jeu. Selon un ouvrage du jeu vidéo qui s'appelle Concevoir un jeu vidéo écrit par Marc Albinet qui a été game director sur le jeu Assassin's Creed Unity, le cœur de jeu, qu'est-ce que c'est? Le cœur de jeu est le mécanisme de jeu central à partir duquel l'essentiel du gameplay va se construire. En d'autres termes, il est ce qu'un joueur fait le plus souvent tout au long du jeu. Et bien sûr, il peut y avoir plusieurs cœurs de jeu dans un même jeu, et c'est vraiment le cas d'ailleurs dans la licence Assassin's Creed. Retenez bien ça parce que je vais en parler tout au long de la vidéo et ça va vraiment vous aider à comprendre ce que je vais vous dire. Enfin, et si c'est pas déjà clair pour vous, sachez que le système de parcours d'Assassin's Creed, c'est juste ultra complexe à mettre en place. Et c'est pas pour rien qu'il y a aucun autre jeu dans l'industrie du jeu vidéo qui propose un système de parcours aussi poussé. Bon, bah let's go pour l'analyse maintenant. On va commencer par Assassin's Creed 1. On est dans un univers très vertical, mais dans les villes, les bâtiments sont pas super hauts. On a quelques tours par-ci par-là pour ajouter encore de la hauteur, mais cependant c'est pas tellement quelque chose sur lequel on peut se permettre d'enchaîner des mouvements. Mais on a des ruelles super étroites et ça permet d'avoir notamment des situations de parcours beaucoup plus complexes. C'est une grosse nouveauté pour l'époque, et comme je le disais en intro, c'est vraiment fou ce qu'ont réalisé les équipes d'Ubisoft à l'époque en termes de gestuelle pour un personnage. On a un personnage qui peut s'agripper, grimper, s'éjecter à gauche, à droite, en arrière, se raccrocher lors de son éjection, ou même sauter sur une hauteur plus basse et enchaîner sur une course effrénée. Ici, le parcours c'est un vrai cœur de jeu parce que vous en faites quasiment tout le temps. Et chose importante à voir, c'est que le parcours s'effectue quasiment essentiellement sur deux niveaux de hauteur, à mi-hauteur des bâtiments et au niveau des toits. Mais comme je vous le disais, les villes restent toutefois de bons espaces de jeu pour lesquels on est déjà capable de bien s'éclater en termes de parcours pour l'époque. Mais véritablement, c'est Assassin's Creed 2 qui apporte une vraie différence. C'est pas ça la plus grosse nouveauté, mais chose importante à retenir quand même, c'est que Ezio peut nager contrairement à Altaïr. Et du coup, ça permet en cas de faux pas lors de notre parcours, quand on tombe dans l'eau, de ne tout simplement pas mourir. Alors, sur le plan technique, Assassin's Creed 2 et son système de parcours, c'est le même qu'Assassin's Creed 1. Mais sur la map, on apporte énormément d'éléments avec lesquels interagir. Les villes sont non seulement beaucoup plus grandes que dans le premier opus, mais aussi beaucoup plus hautes. Et le parcours, il se fait plus uniquement sur un seul niveau. On est à ras de l'eau, à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres du sol et sur les toits. Chaque altitude propose sa propre approche avec des éléments de parcours différents. Poteaux, gondoles, pontons, murets,
caisse, poteau de lanterne, balcon, corde à linge, toit, cheminée, etc. etc. Bref, il y a un paquet de trucs sur lesquels grimper et enchaîner. Et tous ces éléments, bah, ça apporte un véritable terrain de jeu encore plus fun que dans le premier Assassin's Creed pour tout amateur de grimpette qui se respecte. Et on arrive sur le cas Assassin's Creed Brotherhood et Révélation que j'ai choisi d'unifier parce que leur rôle à tous les deux, ça a été d'améliorer le parcours en proposant des nouvelles solutions de gameplay. On a d'abord le palan qui apparaît dans Brotherhood et qui nous permet une nouvelle approche pour grimper plus rapidement sur les toits. Ça donne un vrai sentiment de super pouvoir au joueur qui peut rejoindre du sol au toit en quelques instants. En fait, ça fait presque penser au grappin de Batman dans les différents jeux ou même Spider-Man qui peut rejoindre rapidement des toits. Et ça offre également une possibilité de gameplay assez fun puisqu'il est capable de tuer des ennemis parce que lorsque vous l'activez, d'énormes pierres tombe pour faire le contrepoids et vous jeter en l'air, et par conséquent, les ennemis qui vous poursuivent juste en dessous peuvent se faire écraser. Et donc, ça vous permet potentiellement de terminer une poursuite avec des assaillants, ce qui est juste trop cool. On arrive ensuite, évidemment, sur la lame crochet. Un élément qui, de premier abord, permet de justifier la rapidité d'Ezio dans ses mouvements, comme s'il avait encore 20 ans, comme dans Assassin's Creed 2, sauf que là, il en a plus de 50. Mais ça ouvre beaucoup de possibilités pour le parcours. Premièrement, et ça vous le savez, on peut grimper beaucoup plus rapidement sur diverses surfaces verticales. On atteint des hauteurs qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On peut également utiliser des tyroliennes pour dévaler aux quatre coins de la ville arpentée de Constantinople. On peut également se rattraper plus facilement lors d'une chute et donc se raccrocher à un rebord. In extremis, mais on peut se rattraper. Et enfin, on peut emprunter des chemins différents avec les lampes et les pots de fleurs qui sont en coin de mur. Dans les précédents jeux, c'est ce qui permettait de pivoter sur le bâtiment et donc de continuer sa course. Ici, si vous appuyez au bon moment avec la lame crochet, vous pouvez donc partir tout droit et donc découvrir un autre chemin pour le parcours que vous n'aviez pas encore exploré. En clair, c'est la version ultime du système de parcours d'Assassin's Creed premier du nom. Nous sommes en 2012 à présent et Assassin's Creed premier du nom a déjà 5 ans. Au fil des années et des jeux, le système de parcours n'a fait que s'améliorer pour proposer une expérience meilleure aux joueurs manette en main. Mais il semblerait qu'Ubisoft n'ait pas encore dit son dernier mot quant à son système novateur de déplacement qui n'a encore été jamais reproduit dans l'industrie. Laissant de côté son moteur historique utilisé pour les précédents Assassin's Creed, on dit au revoir à Anvil et bonjour à Anvil Next qui est le nouveau moteur pour la licence. Ubisoft semble estimer que le parcours dans les villes c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, ils ne voient pas forcément comment aller plus loin que ce qu'ils ont déjà proposé, ils se disent mais pourquoi pas aller à la conquête de la nature finalement, pourquoi ne pas faire du parcours au cœur de la nature. Et c'est ainsi qu'apparaît sur nos écrans en 2012 un système de parcours au cœur de forêts sauvages. Sincèrement, après avoir joué au précédent jeu, c'était vraiment mon rêve de gosse. Et c'est un système de parcours qui trouve également une justification dans le gameplay, comme Ezio avait sa lame crochet. Eh bien, ici, c'est uniquement Connor qui peut monter sur les arbres. Un enfant Mohawk, et qui a donc grandi au cœur de la nature, et qui maîtrise parfaitement cet art, contrairement à son paternel, Etam, qui est un Britannique, et qui ne peut pas aller plus loin que le début d'un tronc. Et c'est alors un tout nouvel espace de jeu qui s'offre aux joueurs, la frontière. On peut traverser de grandes étendues par les airs, mais c'est également un excellent système qui vient enrichir d'autres cœurs de jeu comme la chasse ou l'infiltration. Et si rien de tout ça ne vous convainc parce que vous ne voulez pas tuer Bambi ou assassiner des gardes, déjà changer de jeu, et ben vous pouvez toujours vous poser sur un arbre en hauteur et admirer la nature qui prend vie en dessous de vos yeux. Et bien évidemment, Ubisoft n'a pas délaissé son système de parcours dans les villes de Boston et de New York. On retrouve énormément de codes des précédents systèmes de parcours, mais il propose également quelques raccourcis par des fenêtres ou des portes ouvertes pour notamment fuir des ennemis, ou même aborder votre course effrénée d'une toute autre manière, un peu comme l'a fait Révélation avec les pots de fleurs comme je vous le disais tout à l'heure. Après un système de parcours aussi développé que celui d'Assassin's Creed 3, on se demande bien comment Ubisoft peut encore nous surprendre. Et c'est selon moi ici que débutent les problèmes. Assassin's Creed 4 et Assassin's Creed Rogue sortent respectivement en 2013 et 2014. Mais on a absolument aucune amélioration en termes de parcours. C'est exactement le même que pour Assassin's Creed 3. Aucune amélioration annexe comme on avait pu l'avoir dans Brotherhood ou Révélation qui pourrait bonifier le gameplay. On vient ajouter un nouveau cœur de jeu qui vient piquer un peu la place du parcours et l'amoindrir un petit peu, la navigation sur l'eau. Mais s'il s'agissait juste de ce cœur de jeu qui vient s'ajouter, se greffer sur ces nouveaux opus, qui vient un petit peu shipper la place, ça pourrait éventuellement passer, mais le problème il s'arrête pas là. Le problème c'est que
Et ben Assassin's Creed 4 et Assassin's Creed Rogue utilisent moins bien le système de parcours que leurs grands frères. Il n'y a pas vraiment de grandes zones naturelles où vraiment on peut s'éclater à grimper comme on avait la frontière dans AC3. On a vraiment de simples petites zones sauvages linéaires. Alors oui, il est possible d'avancer sur plusieurs niveaux dans ces petites zones justement, hein, en hauteur et à ras du sol, deux niveaux uniquement. On se retrouve dans la même topologie que Assassin's Creed 1 et encore, Assassin's Creed 1 allait quand même un poil plus loin. Bon alors quand même, le parcours dans les villes est toujours aussi réussi, en fait c'est le même, et en fait on reprend même la ville de New York dans Rogue qui était déjà présente dans AC3. Donc foncièrement le parcours c'est le même. Mais dans Assassin's Creed 4, bah les villes elles manquent cruellement de hauteur. Et c'est normal d'ailleurs par rapport à l'époque et au contexte historique qu'a voulu reproduire le studio, hein. Y a pas de souci avec ça, hein. Mais en fait elles sont très étendues sans pour autant être super hautes. Et on a notamment bah, des énormes allées qui font leur apparition, avec bah, quelques cordes à linge pour passer par-ci, par-là, entre deux bâtiments, mais bon, sans plus quoi. En soi, comme je vous le disais, le parcours c'est pas une catastrophe, parce qu'il a pas changé, techniquement il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est ici vraiment qu'on se rend compte que la map, elle influence vraiment les fonctionnalités du système de parcours. Et vraiment, en fait, il a un goût de trop peu, par rapport à ce qu'a proposé en termes de parcours l'univers riche d'Assassin's Creed 3. Et vraiment, quand je dis riche, c'est aussi bien en ville qu'en forêt, quoi. Mais le moment que vous attendez tous en tant que fan d'Assassin's Creed derrière votre écran, et vous le savez, c'est celui-ci. Le fameux jeu qui est sorti en même temps qu'Assassin's Creed Rogue, exclusivement sur Next Gen, j'ai nommé Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity a été développé sur un nouveau moteur, une nouvelle version du moteur Anvil qu'on connaissait. Et genre, vraiment, hein, les premières démos de gameplay de Assassin's Creed Unity, quand tu les regardes, t'es un peu sans voix quand tu vois Arnaud descendre de la cathédrale Notre-Dame avec l'agilité d'une panthère. Tout fan d'Assassin's Creed devant ça s'était dit, mais waouh, il est là le système de parcours ultime, il est là les gars. Et quand je vous le dis système de parcours ultime, c'est pas pour rien, parce que dans les démos de gameplay que l'on voit également, c'est une ville de Paris en pleine révolution française avec des rues super étroites et plein d'opportunités pour grimper. Et évidemment, ça c'est un truc que j'ai oublié d'aborder mais qui est évident aussi, c'est la possibilité enfin de rentrer à l'intérieur de la plupart des bâtiments du jeu et donc de trouver encore une fois d'autres approches pour le parcours. En fait là ici on sent que le parcours est à nouveau un cœur de jeu principal et qu'il est au centre de l'expérience d'Assassin's Creed Unity. Et ce qui est logique parce qu'on n'a plus la navigation, donc il a bien fallu la remplacer par autre chose cette navigation. Mais si sur le papier tout semble indiquer que l'expérience Assassin's Creed Unity semble être en termes de parcours la meilleure expérience qu'on ait jamais vue, ça va pas vraiment se passer comme prévu. À sa sortie, on va pas se mentir, le jeu il était pas terminé. On sent vraiment une ambition inachevée, remplie de bugs à tout instant, qui viennent vraiment sortir le joueur de son expérience et qui bouffent le gameplay en fait. Ça perturbe autant les joueurs que la presse, qui se gênent vraiment pas pour incendier le jeu et à juste titre, et ce qui en fait vraiment un flop historique dans l'histoire d'Ubisoft. Le système de parcours il est bien là, oui, et c'est un véritable plaisir de s'en servir à titre personnel, en tant que fan d'Assassin's Creed de la première heure. Mais la plupart des joueurs découvrent la franchise avec Assassin's Creed Unity et ne connaissent pas forcément les codes de la franchise. En fait, il y a beaucoup de touches pour utiliser ce système de parcours et ça le rend très contraignant, très lourd pour certains joueurs novices qui ne comprennent pas pourquoi ils peuvent pas faire plus simple alors qu'il y a des choses plus simples à faire. Tout simplement. Et comme je vous le disais, hein, même encore aujourd'hui, c'est vraiment le système de parcours que tout féru de la franchise Assassin's Creed voit comme le système de parcours ultime. Je pense qu'aucun de vous pourra me dire le contraire. Mais voilà, c'est le système de parcours ultime pour toute personne qui connaît les codes de game design des villes des anciens jeux Assassin's Creed. Quelqu'un qui sait que cette caisse ou cette charrette, on grimpe dessus et c'est une épopée en sprint qui nous attend au cœur de la vie. Mais c'est un système bien trop complexe pour un novice qui attaque la licence et qui va mettre plusieurs heures pour maîtriser tous ses codes en plus des contrôles. Et pour qu'un jeu fonctionne, pour qu'une mécanique fonctionne dans un jeu, il faut que rapidement le joueur soit récompensé par ses efforts. On va vraiment exclure le cas des sous dans ce que je dis là, d'accord? Ça compte pas, c'est une autre approche très différente et il y a des très bonnes vidéos qui expliquent justement ce cas très précis. Il y a ce système de récompense qui est présent, mais voilà, vous l'oubliez celui-là. En fait, la courbe d'apprentissage du novice, elle est comme ça et elle est beaucoup trop importante pour que vraiment il apprécie l'expérience et qu'il y adhère en quelques minutes. Unity, on va pas se mentir, c'est un échec technique pour Ubisoft qui restera vraiment gravé dans son histoire, qui va lui coller aux fesses encore
très longtemps, et pour autant, ils ont rempli l'année suivante avec une autre expérience. Bienvenue dans Assassin's Creed Syndicate, au sein de la ville de Londres, en pleine révolution industrielle pendant l'époque victorienne. On se rapproche de plus en plus des temps modernes et donc logiquement des bâtiments que l'on connaît aujourd'hui, qui sont très verticaux. Ville donc verticale, mais n'est-elle pas trop verticale? C'est en tout cas ce qui a justifié l'ajout d'un élément de gameplay très important qui permet de profiter d'une expérience de parcours fluide au sein de la ville de Londres, le grappin. Considéré par beaucoup comme LE criminel qui a ruiné l'expérience du parcours au sein de la franchise Assassin's Creed. Mais j'ai une question pour vous, et donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que c'est pas selon vous aussi dû à une flémardise aiguë de la part des joueurs? Non mais c'est vrai, c'est toujours plus simple d'appuyer frénétiquement sur un bouton alors qu'on est à peine posé sur un rebord pour enchaîner sur un nouveau saut de 15 mètres pour avancer plus vite dans la ville, que d'atterrir, de se poser, de redescendre, de faire sa petite course sur son toit et d'enchaîner avec le prochain toit avec le grappin. C'est pas utilisé super judicieusement dans ce cas précis, et pourtant je l'ai fait pendant très longtemps, et c'est vrai que ça gâche l'expérience de jeu. En fait, le grappin c'est vraiment un tue-l'amour du parcours dans la franchise Assassin's Creed, mais c'est tout simplement parce qu'il n'est pas utilisé correctement. L'origine de cet ajout, c'est vraiment les rues extrêmement larges de Londres, contrairement à la ville de Paris dans Unity. Et évidemment, il facilite la vie lorsqu'on doit se retrouver à rejoindre deux tours qui demanderait des contraintes énormes si on n'avait pas ce grappin, c'était de descendre de la première tour, remonter sur la seconde tour, ce serait juste abominable pour le joueur, pas de fun, c'est contraignant et t'as pas envie. Et donc forcément, bah c'est pas bon. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire que si le grappin est diabolisé, c'est uniquement de la faute des joueurs qui l'utilisent pas correctement. Mais est-ce que finalement l'équipe de développement s'est pas laissé prendre à son propre jeu? Je pense que sur certains aspects, l'ajout de ce grappin en termes de fonctionnalité, ça a facilité beaucoup de choses et accéléré beaucoup de choses dans le développement du jeu. Mais du coup, quand j'entends ça, c'est qu'il y a aussi certaines choses qui sont passées à la trappe, notamment les différents éléments posés à ras le sol qui t'invitent à explorer, à grimper en hauteur comme tu l'avais dans Unity, comme tu l'avais dans les premiers opus d'AC. En fait, il y a vraiment plus de multiples niveaux de grimpettes comme je l'expliquais dans les précédents opus pour AC2 notamment et pour Unity. Là, on n'en a plus, c'est vraiment le sol, le toit. Il y a très peu de niveaux alternatifs sur les bâtiments, quoi. Il y en a, mais très peu. Sauf, voilà, quelques exceptions près, comme je vous le disais, qui sont vraiment posées là notamment pour certaines missions. Dans le cadre des missions, c'est super pratique, mais le reste du temps, tu n'y vas pas. Et donc du coup, si on veut grimper sur un bâtiment, et ben on grimpe tout droit, sans but, voilà, il y a zéro fun à ça, c'est linéaire, c'est chiant, et ça t'incite à utiliser le grappin. Sauf que bah, le grappin, c'est rapide, c'est marrant, ça fait penser à Batman, voilà, tu vas vite, c'est fun les premières fois, sauf qu'après tu n'en tires plus aucune émotion. Voilà, les premières fois t'es bluffé par la puissance du grappin et le feeling que ça te donne, sauf que ça s'atténue extrêmement vite et Ubisoft n'a pas réussi à maintenir ça. Et on va mettre à part le grappin parce que c'est pas le seul responsable, d'accord, dans tout ça, on va parler vraiment du parcours en lui-même. Déjà dans un premier temps, bah, il est plus simple et moins lourd à prendre en main que le parcours de Unity. Il y a moins de touches, c'est plus simple, on rentre plus facilement par des fenêtres, il y a moins de contraintes, il y a moins de bugs par rapport à tout ça, et donc il est plus accessible aux novices. Tant mieux, trop bien. Mais il est moins engageant parce qu'il y a beaucoup moins d'interactions. Paradoxalement, Unity, t'avais plein de touches qui te contraignaient à devoir appuyer sur plein de choses en même temps pour faire des super trucs qui avançaient bien et fluides dans tes mouvements, mais ça te donnait un vrai feedback en tant que joueur sur ce que tu faisais. T'avais l'impression, en fait, il fallait des skills pour utiliser le parcours d'Unity, et pour les joueurs férus, c'était extrêmement jouissif. Là, on perd ce petit côté-là parce qu'il est simplifié. Tu y retrouves moins de fun quand même que dans Unity. Donc c'est moins apprécié par les fans. Par contre, pour les nouveaux, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus accepté, tout simplement. Et en plus de ça, tu leur donnes le grappin. Donc forcément, eux qui n'ont pas l'expérience, on enchaîne les grappins et voilà, en fait, le parcours disparaît quasiment de leur expérience. Et donc, bah, suite à la catastrophe d'Assassin's Creed Unity et la sortie en demi-teinte d'Assassin's Creed Syndicate qui a pas si bien marché que ça, a priori, Ubisoft décide de faire une pause. Voilà, on fait un break pendant un an, on arrête. Pour eux, en fait, c'est l'ancienne formule AC ne fonctionne plus, il faut trouver autre chose. Et depuis quelques années, la société, elle fait des sondages auprès de ses fans les plus fidèles, j'en ai moi-même reçu, et avec notamment une question où on vous demande bah, quelles sont les époques qui vous intéresseraient le plus. Alors, il y en avait 15 ou 20 à chaque fois, mais l'époque qui était la plus récurrente et que je suis persuadé que beaucoup, beaucoup choisissaient, moi le premier,
Bah, c'était l'Égypte antique. Et puis, à côté de ça, eh ben, y a un type de jeu qui fleurit depuis quelques temps dans l'industrie, qui a beaucoup de succès et qui assure quand même des belles et bonnes ventes. Et attention, là, c'est pas pour diaboliser l'entreprise, justement, je parle d'entreprise. Une entreprise, ça doit faire du chiffre, donc à un moment donné, il faut raisonner quand même avec des chiffres, les gars. Si on diminue le système de parcours, bah, c'est parce qu'on vend moins, et que c'est moins facile pour les novices, parce que voilà, on est une petite communauté Assassin's Creed dans l'univers du jeu vidéo, et donc du coup, bah, faut quand même vendre. Et c'est donc ainsi que s'ensuit une vague de 3 jeux, Assassin's Creed full RPG, pour l'instant. On sait pas ce qu'il y en est pour l'avenir, mais du coup, factuellement, aujourd'hui, on a Origins, Odyssey et Valhalla. On fait un bond de plusieurs siècles en arrière en termes d'époque, et on fait même un bond de 200 ans au minimum en arrière par rapport au premier épisode de la franchise Assassin's Creed. Et on revoit absolument tout dans le gameplay. L'exploration, la navigation, les mouvements, les contrôles, le système de combat. Et là, malheureusement, bah, le système de parcours, c'est plus du tout un cœur de jeu. Il est bien présent, il est là, mais c'est plus du tout le même qu'avant. Ces maps-là, elles sont recouvertes d'énormes étendues sauvages qui demandent qu'à être explorées, et évidemment de quelques villes. Mais forcément, bah, les étendues sauvages, sauf si t'es dans Assassin's Creed 3, t'as pas énormément de verticalité, quoi. En tout cas, pas une verticalité qui demanderait aux joueurs des skills particulières pour se frayer un chemin sur un territoire très particulier. Voilà, le plus de verticalité que tu obtiens, c'est des rochers que tu grimpes sans trop de difficultés, quoi. Et là, vous allez me dire, t'es invendu, c'était déjà le cas dans Assassin's Creed 4 Black Flag avec les énormes étendues d'eau qu'on avait et les quelques bouts d'îles couvertes de sable qu'on avait. Oui, sauf que dans Assassin's Creed 4 et même Assassin's Creed Rogue, eh ben, on avait quand même autre chose qui était là et dont j'ai déjà parlé, bah c'était les villes. Certes, c'était moins vertical, comme je le disais, mais c'est pas pour autant qu'on pouvait pas faire de parcours, ça offrait quand même quelques possibilités. Ici, la verticalité, il y en a quasiment plus. En fait, elle s'arrête à quelques chaumières dans des villages. Il y a en fait seuls quelques camps ennemis qui proposent vraiment de grimper. Et encore, c'est pas de la verticalité tarée, quoi, c'est pas ultra fun de faire du parcours. Et justement, pour ce qui est des villes, on va en parler, bah chaque jeu les traite de manière un peu différente. Origins, il possède des énormes bâtisses dans ces villes qui pourraient être des trucs très cool, mais en fait qui proposent pas spécialement d'accès pour t'inviter à grimper, comme je disais par le passé. Tu n'as pas de caisse qui te propose de grimper dessus, voilà, qui t'incite à parcourir vraiment la ville dans les airs pour pouvoir atteindre ta fameuse hauteur. En fait, vraiment ici, tu fonds sur le bâtiment et tu grimpes. Voilà, jusqu'en haut. Et en fait, il y a une énorme disproportion entre certains bâtiments. Vous avez les énormes temples d'Égypte à côté des petites maisons de paysans, des habitants. Voilà, forcément, en termes de disproportion, t'es là, quoi. C'est très fidèle par rapport à l'époque, en termes de reproduction historique, certainement, même si les bâtiments ont été un peu grandis par rapport à leur taille réelle. Mais concrètement, ça sert absolument pas le parcours, encore une fois. Et là, vous allez vous dire, il va pas le lâcher, ce jeu. Hein. Il va pas arrêter avec. Hein. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Hein. Je pense que vous êtes fatigué de m'entendre, mais j'ai des vraies raisons. Et bah, pour moi, Odyssey, c'est peut-être celui qui a le plus détruit le parcours. Les villes, elles ont des toits très rapprochés, qui permettent donc d'aller facilement de chaumière en chaumière, si on veut un peu grimper. Sauf que, bah, c'est pas spécialement fun. Non, c'est pas fun, c'est chiant, parce que tu vas vite te rendre compte, en fait, que dans les précédents jeux, faire du parcours, c'était pratique, et ça te permettait d'aller plus vite vers ton objectif en passant par un chemin un peu original, un peu incongru. Là, en fait, ça te ralentit plus qu'autre chose, parce que tu fais monter, descente, parce que t'as pas des enchaînements qui se font bien. Et du coup, tu redescends vite dans les rues et tu fonces tout droit. Et en plus de ça, et ça c'est le moment que je préfère, Odyssey va ajouter une composante qui me hérisse les poils rien que d'y penser, qui permet donc en fait à n'importe quel joueur de niquer le système de parcours. Mais vraiment, tu le niques, tu le poses et tu le niques. Le saut sans prise de dégâts. Une fois que t'as acheté cette compétence, je suis désolé, le parcours c'est terminé. Terminé! Vous vous dites, vous t'en fais des caisses, il y a forcément des situations où ça fonctionne. Oui, oui, bien sûr que ça fonctionne quand même, mais quand tu vois l'étendue de la map et les possibilités qu'elle pourrait offrir, bah du coup, en termes de proportion, t'as 5-10% de parcours cool. Imagine que t'es sur un toit, et devant toi, tu as un bâtiment qui est à 5 mètres de toi, environ. Tu veux y aller, d'accord? Sur ta gauche, tu vois un peu plus loin une corde à linge. Le bâtiment, il est haut. Tout joueur d'assez qui se respecte, dans les précédents jeux, il aurait fait le tour pour aller sur son autre bâtiment. Mais pourquoi se prendre la tête à aller là-bas, alors que je peux aller là et ne pas prendre de dégâts? Et au pire des cas, eh ben, je me rends compte que je gagne pas spécialement à grimper, et donc du coup, je continue tout droit, plutôt que de remonter finalement sur le toit que je visais à la base. Et enfin, on a Assassin's Creed Valhalla qui renoue un peu avec le parcours avec ses villes. Quelque chose, il va y avoir un massacre, hein. On retrouve enfin quelques éléments de parcours de façon régulière qui incitent
le joueur à grimper, et là j'entends la fameuse caisse et le fameux chariot dont je vous parlais tout à l'heure, et notamment parce qu'il y a un autre facteur qui rentre en jeu depuis très longtemps et qui revient, c'est qu'en ville, eh ben, vous n'êtes pas le bienvenu, vous n'êtes pas en terre amicale, vous devez vous planquer et avancer à pas de loup parmi la foule pour vous frayer un chemin dans la ville et avancer. Et du coup, forcément, systématiquement, pour le joueur, et c'est extrêmement bien pensé, tu peux passer par le bas et tu vas découvrir une toute autre approche. Par contre, si tu veux aller plus vite, si tu veux prendre plus de fun et plus de mouvement, être plus réactif, tu passes par le parcours. Mais encore une fois, c'est très timide, sauf dans la dernière extension qui est sortie il y a quelques mois. Dans le DLC Le Siège de Paris, on retrouve notre fameuse ville française qu'on a adorée à l'époque dans Unity pour son parcours. Encore une fois, c'est personnel ce que je dis, mais je pense que beaucoup d'entre vous partagent ce point de vue-là en termes de parcours, et on sent vraiment que le studio qui a bossé sur cette extension a voulu ramener une composante essentielle de ce qu'est la licence Assassin's Creed, a ramené un cœur de jeu principal là-dedans, le parcours. Alors, c'est que dans la ville de Paris, ça faut bien le prendre en compte, voilà, tu peux pas refaire tout le jeu, il y a quand même d'énormes étendues sauvages, mais là vraiment, je vais concentrer mon propos sur la ville de Paris. Il y a beaucoup d'éléments de parcours dans la ville qui vous incitent vraiment à grimper pour vous taper des courses effrénées. C'est régulier, que ça peut être n'importe quoi, et des trucs qui étaient déjà présents dans la franchise auparavant, qu'on voyait moins, et qui sont vraiment présents en nombre, et on peut enchaîner plusieurs trucs, je me souviens très bien, dans la taverne, du palan sur lequel tu peux enchaîner et ensuite enchaîner avec des cordes à linge pour pouvoir te balader de toit en toit. C'est loin d'être parfait, d'accord, ça y a aucun souci, mais en revanche, on sent que là au final, jusqu'à maintenant on pensait que c'était le système de parcours qui était un peu aux fraises, et en fait on s'aperçoit que c'est plutôt le level design général des jeux qui est un problème pour le parcours actuel. Voilà, le vrai problème c'est le level design de ces villes. Encore une fois, je jette pas la pierre sur Ubisoft pour ça, parce que ils ont essayé de reproduire quelque chose par rapport à l'époque. Cependant, ces petits éléments de parcours qui t'invitent à grimper, on ne les retrouve pas et ça me semblerait pourtant essentiel qu'ils soient présents. En fait, tout est là, mais rien n'est exploité à son plein potentiel. Voilà comment la série a changé et pourquoi le parcours a évolué avec lui. Parce que au-delà d'un système de parcours avancé que personne n'a encore reproduit aujourd'hui dans l'industrie du jeu à l'heure où je vous parle, Assassin's Creed, c'est pas que ça. C'est un jeu aux multiples cœurs de jeu qui a dû évoluer avec le temps et proposer de nouvelles fonctionnalités, des choses plus fun pour amener plus de monde et acquérir de nouveaux clients, tout simplement. Et ce qui lui a permis de conserver une place de licence forte, parce que aujourd'hui, malgré ce qu'on dise et ce qu'on pense de Valhalla, c'est le deuxième épisode le plus vendu de la franchise. Mais ce qu'on aperçoit également, du coup, c'est que le système de parcours dépend énormément du level design des villes et donc des époques que Ubisoft cherche à reproduire dans ses jeux et essaie de garder un peu de cohérence. Mais sauf que parfois, du coup, ça coûte trop cher au système de parcours qui n'est pas mis en valeur dans nos derniers jeux. Donc s'il n'y a qu'une chose à résumer, c'est que ça peut être une véritable force comme une véritable faiblesse en fonction de l'univers dans lequel tu l'inscris. Et quitte à perdre un public, et tant pis. De toute manière, comme je vous le disais, c'est une entreprise et on va simplement chercher à créer un nouveau cœur de jeu pour accueillir des nouveaux clients et les séduire. Et vous, quel est votre système de parcours préféré? N'hésitez pas vraiment à me donner votre avis par rapport à cette vidéo, c'est un peu exclusif sur la chaîne et je sais pas si ça vous plaira forcément, mais moi j'ai vraiment aimé faire cette analyse sur un jeu que j'aimais beaucoup, que j'affectionne de tout mon cœur, et sur quelque chose que je maîtrisais, mais je me tenterais bien à tenter d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous avez des idées d'autres analyses que je pourrais effectuer comme ça. Et bien évidemment, pour me le montrer, il y a rien de mieux qu'un petit pouce bleu, le petit commentaire de l'amour, l'abonnement, la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et également le partage. Ça vous prend 2 minutes à tout casser et c'est un énorme plus pour nous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, sachez que ça a été un véritable plaisir de l'écrire et de vous la tourner. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Mais voilà, je suis content de l'avoir fait parce que le système de parcours, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup en tant que fan et que vous appréciez tous, plus ou moins, un tout petit peu au minimum. Voilà, sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, et à vous dire à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience, prenez soin de vous, et bye tout le monde!